Oh, c'est trop stylé! Salut à toutes et à tous, il est 16h, comment allez-vous? Je vais tout vous expliquer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Oh, j'étais pas prêt. Aïe, j'étais pas prêt. Salut. Bon, les amis, je vous explique. Je me suis téléporté ici sur la planque Mambo, donc une des planques que nous avons acheté, donc comme ça on découvre un petit peu cet endroit, parce qu'à la base nous allons ici, on s'était quitté dans le dernier épisode à la Cay Ardiente ici, hein, à la ferme des crocodiles, souvenez-vous, là on va aller pour Diesel Daisy, hein, la machine de Philly, on doit récupérer des... On doit récupérer des cartes imprimées, je sais plus trop quoi, bref, et en fait je me demandais toujours, F, regardez, déplacement rapide. Mais qu'est-ce que ça fait, largage aérien? Moi, je pensais que, en fait, c'était genre un hélicoptère qui faisait un largage aérien et on aurait des coffres et tout, tu vois. Donc, j'ai essayé et en fait, bah oui, il te largue. Carlo, c'est mort. Il te largue de manière aérienne. Voilà, c'est un largage aérien. Et donc, c'est super cool pour la simple et bonne raison que par ici. Ça va me permettre de faire des folies. J'aurais pu tout simplement ouvrir mon parachute et aller jusqu'ici. Voilà, c'est bon à savoir, les largages aériens, c'est juste génial. Dis-moi ce que tu sais. Si t'as un peu de temps, ma copine Chica Núñez a des problèmes. Elle aurait bien besoin de ton aide. Merci, c'est sympa. Très bien, plein de belles choses à faire. Les amis, j'ai réfléchi en off aussi. Je pense que les trucs ici, là, sur l'île de départ... ouais, ça c'est l'île de départ. Vous savez, il y a des petites caisses de Libertad. Oh, grotte des Oluas. Bref, il y a des petites caisses un peu à droite à gauche. Et je crois pas qu'il y ait de mission très principale. En vrai, il y a même pas de mission quoi. Donc je pense que j'irai en off. Voilà, je m'amuserai un petit peu en off à explorer toute la map ici et puis à récupérer des caisses, tout simplement. Voilà, je vous le dis, je ferai ça en off, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le dernier épisode, hein. Et encore une fois, n'oubliez pas le petit pouce bleu sur celui-ci. Gérer les opérations des banditos. Ah oui, c'est vrai. Alors, la loi de la jungle. Ah là là. Alors regardez, nous, on n'a rien à faire. On a juste à lui donner une mission. La loi de la jungle. Benito est sûr d'avoir perdu l'arme dans une grotte en plein territoire. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Danny? Soit il y va direct, chemin clandestin ou camouflage total. Dans tous les cas, ça réussira. Attendez, perte. Jusqu'à 1. Ah, on peut perdre nos hommes, ce serait dommage. Et lui, il a 10 hommes. 10 recrues opérationnelles en escouade. D'accord, ok, bon, on s'en fout. Enfin, non, mais on va éviter de tuer des gens, mais... médicaments. Essence. Devise. Eh, le plus important, c'est pas les médocs. Ouais, si, allez, camouflage total, vas-y. Régale-nous. Voilà. Ah, c'est fini, ça y est. Donc là, on a perdu un gars. Mais on a récupéré de la... Et c'est pas fini. Étape 2, caverne des brigands. Oh, mais c'est incroyable. Joint résistant. Plastique résistant. Vas-y, tuez les gardes sans bruit. Vas-y. Bam! Personne n'est mort, génial! Et enfin, il est temps de mettre la main sur cette arme. Donc là, on gagne joint résistant, on a déjà eu. Médicaments. Métal! Oh! Métal! Bam! Personne n'est mort. On a juste eu une perte. Et ben voilà! Opération Bandidos terminée. C'est incroyable. Récompense finale. Un petit rococo, obtenir la récompense. Très bien, et on a débloqué des nouvelles. Des nouvelles missions. Et je crois que j'ai récupéré en effet mon pistolet automatique Rococo Loco. Mais non mais franchement, mais ils se font des kiffs. Ça me fait trop rire quoi. Rococo Loco. Il est où? Il est là. Il est là. Rococo Loco. Ah, c'est pas mal. Bon, je pense qu'en vrai c'est stylé. On pourrait essayer d'y jouer, mais rien ne vaut ce pistolet silencieux tranquille, hein. Je pense. Véhicule, attendez, bougez pas. Quelques petites customisations possibles. Ah non. Ah. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, c'est tout, très bien. Bah attendez, juste avant de partir, tant qu'on y est. Évasion, l'ennemi a enfermé des guérillos. Très bien. Bah Benito, tu vas t'en occuper encore une fois. Voilà, bon bah c'est bon, on n'a pas besoin de continuer pour le moment. Lancer des opérations, tout ça on connaît, très bien. Ok, et évidemment on va essayer de libérer un maximum d'otages. Comme ça nous permettra d'avoir plus de recrues. Hop.
N'oubliez pas que je suis un petit peu la recrue de Clara, hein, pour la Libertad. N'oubliez pas ça. Attendez, parce que là, on n'est pas encore parti. Je fais plein de découvertes. Ron, vodka, Yara. Ok, il y a encore pas mal de vodka, ça va. Ça suffira, je pense. Il n'y a pas l'ID dans les parages, donc ça devrait suffire. Salut Clara. Ça va, ma belle? Ok, allez, on y va. Trouver un circuit imprimé. Nous sommes là pour ça, les amis, à la base. Et ça, ça fait plaisir. Eh, prochaine fois qu'on... Attendez, il y a une caisse à récupérer aussi, là. Par contre, là, ça me fait vraiment penser à Far Cry, hein. Enfin, à Far Cry, oui, c'est normal, nous sommes sur Far Cry. Mais genre, Far Cry 3, Far Cry 4, il y a vraiment une ambiance, là, hein. Oh, attendez, c'est sous terre? What the fuck? Oh! Comment on fait pour aller en dessous? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour aller en dessous? Bah... Qu'est-ce que c'est? Vous pensez que... Ah oui, bébé! Vas-y, donne-moi! Gimme, gimme! Voilà! Catalyseur de Supremo! Croco, camarade. Merci! Ah, pour une fois qu'on fait un compliment sur mon crocodile! C'est mon crocodile! Il est à moi! C'est très joli en tout cas, hein. C'est très chouette! Allez, on y va! Et les amis, prochaine fois qu'on se téléportera à une base, je veux qu'on y aille en largage aérien! Voilà. Parce que c'est trop fun. Tiens, on va y aller avec mon petit... je me suis apprivoisé ce jet ski. On va y aller avec ce jet ski qui traîne. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de crocodile ni de requin. Donc surtout, dépêche-toi. Voilà. Je sais pas s'il faut y aller discrètement ou pas. On avisera en temps et en heure. C'est parti, les amis. Je kiffe ce let's play. Même si le dernier épisode était un petit peu terrible, je vais pas vous mentir. En bas, il y a des gardes un peu partout là. On va accoster là, je pense. Insane! Ah, c'est beau. Ok. Comment va-t-on faire? Et alors, je confirme. Nouveau point de pêche. Je confirme mes dires que j'ai dit dans le précédent épisode, et ça c'est très stylé, c'est que sur la carte, excusez-moi je fais quelques pauses, les traits bleus ça signifie les coins entre guillemets safe par la Libertad. Ce qui en témoigne, les brassards bleus là, il y en avait un où là? Il y en avait un là je crois. Là voilà. Oh, y a, ah ça veut dire qu'il y a un coffre. Ah oui en effet, il y a un coffre juste ici, attendez bougez pas. Ah il faudrait que je descende. Ah, oh. Oh waouh. What? Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, attendez, comment on fait pour... Waouh! Ce jeu... Ben, attendez. On est reparti pour une chasse au trésor. Comment rentre-t-on là-dedans? T'as une indication pour moi, frérot, ou pas? Ça va? Merde. T'inquiète, c'est mon pote. Comment on rentre? Oh non. Ah, regardez bien. Regardez bien. Hop, c'est par ici. Bah dépêche-toi. Je vais mourir là ou... Allez, allez. Oui, 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 oui. Waouh, j'ai eu le temps de crever trois fois. Oh, c'est tellement angoissant. Waouh, mais c'est lumineux là. C'est lumineux. Certains guerriers sont nés pour agir, d'autres pour superviser. Nombreux sont ceux qui ont été choisis pour mourir pour la cause. Et moi, j'ai un don particulier. Je suis né pour regarder. Le veilleur se moque de ce qu'il voit, tant qu'il a quelque chose à voir, un but qu'il pousse à regarder, à noter et à consigner. Le veilleur doit tout. Du rire hypocrite d'un soldat des FND en réaction à la blague d'un officier à la tentative de grattement du cul discret. De cul discret. N'oubliez pas que quelqu'un vous regarde en permanence. Le veilleur. Au fait, il y a du matériel dans le coin. Ne doutez pas que le veilleur saura que vous l'avez pris, même si je ne suis pas là. Ok, donc il y a un veilleur ici. Très bien. Il a l'air assez comique. C'est un petit peu lumineux quand même par ici. Ouais, un pantalon. Un pantalon de prisonnier. Ouais, ça ne m'intéresse pas trop. Ok, bah là on va ressortir. Tout ça pour ça. Très bien. Eh ben c'est parti. Il y a un bateau ennemi, hein, juste à côté. Je dis ça, je dis rien. Allez, on s'arrache. Et on s'empoisonne. Oh, ça va plus vite dans ce sens. Ah ! C'était mon crocodile, c'est bon. J'ai eu peur de mon crocodile. Espèce de con, moi. Espèce de con. Bon, allez, mon circuit imprimé, là. Eh, franchement, ils disent trouver un circuit imprimé. T'as cru que j'allais en prendre qu'un seul? Parce que vu le contexte, je vais me mettre dans la merde. Je pense qu'il va me falloir plus qu'un circuit imprimé, hein, si vous voulez mon avis. Par où je pourrais accoster?
Là, il y a une échelle, là. Là, il y a une échelle. Bah, du coup... Ah, il y a une échelle, là. On va aller là. Ce sera peut-être mieux. Très bien. J'ai à peu près scanné tout ce que j'ai pu voir. Il est où, mon jet ski? Oh, il m'a abandonné. Non, c'est moi qui l'ai abandonné. Heureusement qu'il se déporte pas, le jet ski, hein. Heureusement que les vagues ne lui font rien. Attendez. Non, attendez, il y a un animal. Oh là, ça me fait peur. Allez, monte. Oh putain. Qu'est-ce que ça me fait peur, ce jeu? Attendez, pas de crocodile. J'enlève mon amigo parce qu'il va tout faire capoute. Il va tout faire capoute. Je le sens. Allez, on est parti. J'espère qu'il n'y a pas de sniper. Allez. Clara, Philly m'a demandé de fouiller une plateforme pétrolière. Tu vas pouvoir faire d'une pierre deux coups. Récupère ce pétrole pour Libertad. Et essaie de pas tout faire sauter, on en a vraiment besoin. Ok. Ah oui, c'est une double mission, quoi. Philly, je suis à la plateforme pétrolière. Qu'est-ce que je dois trouver, déjà? Un circuit imprimé, la vedette. Non, un bout de métal avec des trucs dessus. Merci, c'est très utile. Je veux pas te mettre la pression, mais t'es y attends. Et elle aime pas attendre. Oh là là, eh oh, tu vas te calmer, hein. Ta machine, elle peut attendre, hein. Ta machine, elle a pas un cerveau, elle a pas un cœur, hein. Pourquoi je sens que ça va être complicado? Eh. Entre nous, je le sens pas du tout, hein. Allez. Allez, ça commence. Ça commence, les emmerdes. Hop là. Il y a une tyrolienne, très bien. Est-ce que je dois monter tout en haut pour avoir une vue d'ensemble? Pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Bonsoir. Ok. Bon, on récupère, hein, tant qu'on y est, un peu d'essence, hein. C'est une plateforme pétrolière. On est quand même pas là venu pour partir les mains vides, hein. Je dois chercher une salle de contrôle. Ah. C'est pas mal. De me donner un petit objectif comme ça, ça va bien m'aider. Mec, il va rien faire capoute, lui, au moins. Bon, y a une alarme là-bas. Salut. Salut. Ils me disent salut au calme, tu sais. Qui est là? Chut. Cette valve peut m'aider à vider le pétrole et empêcher une explosion. Oh, attendez. Une alarme. Formidable. Vas-y, désactive. Je parle plus trop là, les gars. Encore deux alarmes. Une là. Je sais pas où est l'autre. Là, il y a une valve. Bam. Très bien. Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur là? Je pense pas. J'ai envie de chier là. J'ai clairement envie de chier, les copains. Ah, ça c'est une tourelle. On pourra la péter. On pourra la péter. Elle est... Putain, on m'a fait peur, lui. Elle est où, l'autre alarme? Il y a quoi? Ah, une valve là. Ok. Attendez. Regardez bien. Ça va aller très vite. Oh merde. Ça va aller très vite. Viens par là. Viens par là, fais pas de bruit. Voilà. Très bien. Bien joué à moi. Ok. Attendez. Ça m'énerve. Je sais où est une alarme, je sais pas où est l'autre. Ah. Elle doit être à l'intérieur. Oh merde, elle doit être à l'intérieur. La
partir est lourde. Ok. Bon. Ta gueule. Ta gueule. Je n'ai rien vu. Bon, lui, personne ne le trouvera. Lui, personne ne le trouvera. Bon, moi, je remonte. Faudrait que je traverse, en fait. Faudrait que je traverse ici. Je pense. En plus, c'est là-bas qu'il y a la salle de contrôle, j'imagine. Comment je pourrais faire? Ah oui. Ça va être problématique, monsieur. Ça va être problématique. Voilà. Parfait. Voilà. Allez, on avance. On fait juste gaffe aux caméras de surveillance. Pas envie de me faire craver encore. Ça, c'est une radio. On va pas toucher. Ok. Bon. On continue. Tout se passe bien. Pour le moment. Il me faut l'alarme là. L'idéal c'est que toutes les. Neutralisons cette caméra. Voilà. L'idéal c'est que toutes les alarmes soient neutralisées. Il m'a fait peur lui. Malade. On fait plus jamais ça. C'est pour ouvrir quoi? Y'a pas d'alarme. Y'a pas d'alarme. C'est bon, Philly, j'ai tout. La tête de crocodile? Oui, oui, même la tête de croco. Je te kifferai jusqu'à ma mort. Ok. Entre au bercail, la vedette. Ok, j'en ai trois. J'en ai récupéré trois, les gars. Je vérifie si je peux pas en avoir plus. Ou une clé. Une clé. Cible militaire, attendez. Facultatif, sécuriser la cargaison d'essence. Capturer la base des FND en vidant ses cuves d'essence. Ok, en fait, c'est une double mission. Hein. Là, j'ai terminé, mais si on peut éventuellement se faire la plateforme... Alors, il faut la capturer et sécuriser la cargaison. Bon, déjà, on a tourné deux valves. On a tourné deux valves. Déjà, notre mission peut s'arrêter là, donc on peut repartir tranquille. Hein. On peut repartir tranquille. Ok, c'est lui qui a failli me cramer. Putain, elle est où l'alarme? Ils ont trouvé un corps. Ils ont trouvé un corps. Je crois qu'ils ont trouvé un corps. J'ai le seum. Là, il y a une alarme. La clé. Oh, je suis trop fort. Yes. Et j'ai encore une nouvelle circuit imprimé. Trop bien. On a récupéré plein de trucs. Parfait. Par contre, il reste une alarme. Il reste une alarme. Il reste une alarme et on sait où elle est. Oh les gars, c'est imperfect. Adieu les renforts. C'est imperfect les gars. Toutes les alarmes. Eh les gars, sucez-moi. Mais sucez-moi, bon Dieu. Ok, on a gagné. Il doit rester quoi, un ou deux gars. Et on s'est même pas fait cramer. Enfin si, elle a compris qu'il y a un truc, mais sinon j'ai réussi quoi. Merde. Voilà. Oh, je suis tellement content, les gars. Oh, il y en a que deux qui m'ont cramé encore. Allez! Allez! La tequila! Et naked! Pas le temps de niaiser! Pas le temps de niaiser, mon pote! Et attendez, c'est pas fini! Il y a encore la tourelle. Ça y est, on met nos drapeaux Libertad! C'est chez nous ici! C'est bon du de chez nous! Plateforme pétrolière GPD! GDP! Pardon! Ah oh bah ça fait du bien parce que quand même le dernier épisode ça m'avait saoulé hein.
Alors là, quand tu fais un perfect comme ça, sans déconner quoi, hein, sans déconner. Et en fait, c'est bon, je crois que la tour anti-aérienne a été changée. Je vais te parler. Ouais, c'est bon, elle est plus là. C'est génial. Qu'est-ce que tu sais ? Danny, des fermiers sont venus au camp. L'armée a installé un canon anti-aérien sur leur terre. Je le marque sur ta carte. Merci bien. Très bien. Merci, monsieur. Je suis tellement content. Là, on peut appeler un hélicoptère. Là, on peut faire louloucoptère avec son zizi. C'est génial. Ça va et toi ? Bah, ça va nickel, écoute. Je suis content. Je suis content. On peut quand même pas rentrer à l'intérieur là, de ce truc-là. Bon, bref, en tout cas, on a tout fait. Maintenant, on va continuer notre quête principale. On va aller chez Philly, lui déposer tout ça. Regardez, on va faire un largage aérien. On va faire un largage aérien, mon pote. Parce que c'est trop stylé, en vrai. C'est trop stylé. Et puis là, je meurs. Ce serait un petit peu moins stylé. Allez, c'est parti. Et franchement, n'oubliez pas le pouce bleu, hein, si c'est pas encore mis. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Là, j'ai hâte de voir vos retours. Ah, je suis fier de moi. Je suis content. 21 épisodes pour arriver à ce résultat quand même. Il en faut du temps. Allez, c'est parti. Wouhou, Wingsuit. Alors, regardez-moi cette magnifique vue. Regardez, là, on profite un petit peu. On profite un petit peu. Il faut que j'aille là-bas. Hein. Faisons pas de bêtises. Là-bas, on voit Esperanza, la ville. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ouvre le parachute. Mais si je dis pas de bêtises, et ça, c'est émotionnellement incroyable. Si j'arrive à me tourner. Est-ce que vous voyez, voilà l'île là-bas, là, cette île là-bas. Eh ben, c'est l'île de départ. C'est incroyable, hein, la map est grande. La map est grande et en fait, vous voyez, elle est pas non plus infinie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas compliqué de faire le tour de la map. Et ça, ça fait plaisir, voilà. Donc la map n'est pas non plus gigantesque comme ce qu'on aurait cru au début. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et elle est juste fabuleuse, cette map. Allez, c'est parti, ferme-la, c'est trop long. Oh je vous ai bien eu, hein. Je maîtrise maintenant, je maîtrise. Allez, bienvenue, range ton arme, sinon Philly, il va avoir peur. Salut. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai bon, tout ce qu'il faut. Je dépose les trucs de Philly sur la table. Ah, il est pas là. Voilà. Philly. La vedette. J'ai tes trucs. Pourquoi Daisy porte des explosifs ? On est parfois forcé de blesser ceux qu'on aime, la vedette. Une fois qu'elle nous aura fait du napalm. Mais là, je dois la réparer. Avec cette tête ? Ouais, ça stimule la magie de Philly. Ça, c'est ma Daisy ! Je l'adore. What? Oh, what the fuck? Hey, pep, 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 pep. Ils sont malades, dégagez. Eh, hey, vous êtes pas chez vous, là. Normalement, c'est nous, on vient chez vous. Hein. Malade. Ok, protégez Diesel Daisy, t'inquiète. On va protéger ta machine. T'inquiète. En plus, ils sont trop cons, ils viennent du même côté. Un peu dangereux le camion quand même. Hein. Ah merde, ils arrivent par là aussi. On était sûr que ce serait pas si facile. Et d'être une femme libérée. Ouh, ça va être chiant. Dégage. Vous êtes pas les bienvenus. Vous êtes pas les bienvenus, hein. Tobarnak, colis. Est-ce que ça fait du bien? Allez! Ils viennent par où là? What? En haut? Ça vient d'en haut là, sans déconner! Oh! Non mais c'est quoi ça? C'est le GIGN maintenant? Ça dégage! Dégagez, Bandiou! Et maintenant ils sont de nouveau en bas. J'arrive. Aïe. Allez, j'aime bien l'ail. Aïe. Allez. On est même pas à la moitié, mon pote. Oh, ça m'angoisse, hein. Ça m'angoisse, je suis angoissé, hein. Ils viennent avec des voitures et tout. Dégage.
Le pick-up de Philly subit des dégâts. Non. Mensonge. Seulement. Ah, il est que à la moitié. Vas-y, récupère des mines parce que je vais être dans la galère. On va être dans la galère. Hop, tu m'excuses. Voilà. J'arrive, mon rey. Oh, trop bien, j'ai une collègue. J'ai buté tout le monde. Hein. Je crois que... Oh, sinon, tu crois à la magie, sinon tu mourras au même moment. D'accord, il croit beaucoup à la magie, hein, Philly, avec sa tête de crocodile, là, il est un peu perché. Ça vient en haut. Monte. Ah, ils sont forts. Ah, ils sont pas mauvais. Hein. Ils sont, je dirais même, assez malins. Ils sont où, les Rey, là? Monte! Vous êtes où? Là. Hop, vous redescendez! Aussitôt monté. Aussitôt redescendu. Ça dégage. On est où là? Ça dégage. Les fauves sont lâchés. Aïe. Attends, je rigolais hein. Bon les gars, ici c'est chez nous là, respectez un peu les droits de propriété, non? Moi je pense qu'Antoine Castillo, il voudrait bien que vous nous laissiez tranquille. Ouais, le rouillard, ouais. Ça y est, on arrive sur la fin. 94%. Oh putain, regardez-moi ça, ouais. Ils sont des millions là. Ok, j'arrive. Hop. Objectif terminé. Formidable. Bien joué à nous. Ils ont envie de se faire exploser, on dirait. Ils vont y arriver. Non, cogno. Je dois dégager ce camion de là. Tu dois veiller sur ma Daisy. Laisse pas les soldats poser leurs sales pattes sur elle. Embrasse Daisy pour moi, ok? Ouais, cogno. Bah, tu déconnes. Tu déconnes. Bon bah c'est pas fini hein. Détruisez diesel, ok. Allez ça dégage. Voilà. Allez salut. A la one again. Ciao bambino. Philly c'est bon. Daisy. Non, arrête. Je veux me souvenir de Daisy telle qu'elle était. Elle t'aimait. Elle disait que du bien de toi. Ok. Mais elle est pas morte pour rien. Elle nous a légué des litres et des litres de sueur brûlante. On va déverser cette sueur sur Rosé. Et le regarder se liquéfier. Dommage que Daisy puisse pas voir ça. Je sais. Toutes mes condoléances, Philly. Putain, mais qu'est-ce que je suis con. Qu'est-ce que je suis con. Je sais. Toutes mes condoléances, Philly. Arrête, ça va, c'était qu'une machine. Donc on a fait tout ça pour ça. Bon. Attends. Voilà, merci. C'est pas ce que j'ai récupéré, mais c'est récupéré. Donc là, vous êtes en train de me dire que, bon, heureusement... Eh, j'ai bien fait, hein. Heureusement, on a capturé la plateforme, parce que sinon, ça n'aurait servi à rien, les gars. Hein. Décidément. Et j'ai récupéré une veste de tireur de ligue. Mais je sais plus comment on utilise un grappin, les gars. Depuis tout à l'heure, là, vous avez vu ma descente des enfers, là? Comment on fait? Ah, putain. Quel cassos. Facile. Par contre, il y avait le monsieur, là, le rouillard, il voulait me dire quelque chose. Il avait des bons plans, alors on va tout de suite y aller.
Et les amis, j'ai envie de vous régaler. On va pas s'en arrêter là pour cet épisode parce que mine de rien, j'ai beaucoup d'épisodes d'avance et je sais que les épisodes sont assez courts. Comment ça va? Hey, un déserteur m'a parlé d'un nouveau poste de contrôle. Montre-leur que personne peut nous contrôler. Eh, hey, merci. Mais avec grand plaisir, Guillaume. Donc voilà. Oui, non, il est un petit peu loin ton poste de contrôle là. Tu m'excuseras. Par contre, alors franchement, là, les cibles militaires, j'en ai rien à péter. Hein. Leur truc là, leur ravitaillement, si c'est pas sous mon nez, j'en ai rien à péter. Par contre, là, il y a une chasse au trésor. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, chasse au trésor? Je dois grimper sur la mogote pour trouver le largage de l'armée. Ouais, mais voilà, c'est des largages d'armée, ça encore. Oh, c'est chiant ces chasses au trésor là. Franchement, ça tourne tout le temps autour du même truc. Putain, mais là, il y a un poste de contrôle, je l'ai jamais vu. C'est pas possible. Bon, on va le contrôler. On va se le farcir. Et puis d'ailleurs, il y a une caisse ici. Mais attendez. C'est bizarre que je l'ai... Ça me dit rien. On va se téléporter ici. Hein. Et puis, on va se rendre à ce poste de contrôle. Se le faire, mais... Donc tout de suite, ça va être un autre level hein, par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Et tant mieux, ça va être plus simple. Mais je me rappelle pas de ce poste de contrôle. Je suis déjà passé par là, non? Je sais pas. En fait, je suis perdu. À force de beaucoup explorer la map, je ne sais plus. Vous savez, c'est plus les mêmes perspectives maintenant. Content de te voir, Danny. Mais moi aussi. Ah non, mais par contre, j'ai la tête de croco sur la tête. Non, mais attendez, parce que en vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, je suis venu par là. Hein. Ah ouais, c'était là qu'on avait commencé sur cette île. Ah oui. Ah bah donc non, je l'ai jamais fait. Oui, d'accord. Eh ben. Si, Roberto. La map est grande. Attendez. Inventaire. Arsenal. Équipement, ouais, parce que la tête de croco, ça va 2 minutes. Je préfère mon truc anti-choc. Hein. Attendez. Voilà. Et j'ai débloqué des nouveaux trucs. Oh oui. Ah là, on a plus la classe et c'est bien mieux. Et par contre, les jambes de prisonnier... Ah, augmente considérablement la vitesse de déplacement, mais augmente légèrement le bruit. Ah. Ouais, moi je veux bien courir plus vite hein, quand même. On dira pas non. Mirez plus sous la pluie. Je peux t'aider, Philippe? Bah, c'est facile. La vedette! Il paraît que tu t'entends bien avec Chorizo. Eh ben, tant mieux. On a toujours eu un fait pour les casse-cou. Ça devrait être facile de vendre un séjour. Non, c'est pas tout ça. Mais t'as du pain sur la planche. Ah, va me choper un avion militaire, ok? Il y en a plein sur les bases aériennes. Oh, et lanceuse de balles aussi. Le truc pour entraîner les joueurs de baseball. Autre chose sur ta liste de courses, Philippe? Je peux te ramener des bières si tu veux. Je plane déjà à force de réfléchir. Mais fais attention au canon anti-aérien quand tu seras dans le ciel. À moins que t'aies envie de te manger un obus. Non mais attendez, là il veut qu'on vole. Il veut qu'on vole carrément un avion militaire. Ça se passe juste ici à Lausania. Pareil au lancement. Il manque un avion militaire et une lanceuse de balles. Non là c'est pour terrain de baseball. Donc là d'abord ce sera les balles et après ce sera l'avion. C'est horrible. Bon, nous, on fait ça d'abord. On fait le poste de contrôle et juste après, on s'en arrêtera là. Et pour le prochain épisode, ben, ça va partir en cacahuète encore une fois. Hein. Tout simplement. Hein. On commence à avoir l'habitude. Waouh, un cheval. Oui, bah, c'est toujours le même. Allez, c'est parti. C'est bon. Tout va bien. C'est parti, mon kiki. Ah, franchement, j'espère que vous kiffez cette aventure tout autant que moi. Et je sais que je me répète, je pense que je me répète pas mal. Je fais gaffe. Mais voilà, je ne peux que le répéter, c'est vraiment que du bonheur. Un petit peu chiant là, on prend toujours le même chemin. Regardez, on va varier. On va varier les plaisirs. Hop, à droite. On s'improvise un petit chemin. Ça peut être sympathique. Et là, regardez, ça fait hop à gauche. Voilà. Et hop là, oh punaise. Je suis vraiment bon moi. Oh bah attendez, il y a une interception militaire là. J'ai pas fait exprès. Stop. Ouais mais en fait c'est chiant ça. Parce que ça du coup t'as 3 minutes. T'as 3 minutes pour récupérer le machin. Ça m'intéresse pas là. Là ça ne m'intéresse pas. Moi je n'en ai rien à foutre. Allez c'est parti. Run. Run by run. Voyons voir cet avant-poste qui ne me dit rien pour le moment. Mais une fois que je le verrai je me dirai peut-être. Ah oui c'est celui-là. Dalidoum. Oula. Ah oui non je l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Oh bah y'a les frérots qui vont m'aider. Stop, stop. Salut les frérots. Ça va? Et toi? T'as des infos pour oui, moi? Oui, toi. Il paraît que les militaires ont installé un poste de contrôle pour traquer les parias en fuite. Tu devrais y aller et les féliciter pour leur travail. Muchas gracias. Ah, il m'a donné un autre poste de contrôle.
Mais on s'en fout. Salut. Salut. Moi, c'est celui-là qui m'intéresse. Je l'ai jamais vu, lui. En fait, je suis jamais passé par là. Hein. Je suis jamais passé par là. Alors, Supremo Prêt, très très bonne nouvelle. Bonjour. Le panneau, il est là. Vaut mieux faire attention. L'alarme, elle est là. On peut la détruire avec une balle. Il y a une bonne femme ici. Il y a un bonhomme là. Ils sont que deux ou quoi là? Ils doivent être trois minimum quand même. Oh, ils sont que deux, frérot. Ça me paraît bizarre. Il y en a un troisième à mon avis. Alors, il y a un piège. Il y a un piège ici. Oui, oui, je l'ai vu. Il y en a que deux. Oh! Okay. Je l'avais pas vu, lui. Bon, je me suis un peu fait cramer, hein. C'est pas bien grave. Attends, il y a des gens. Là, je suis pas bien, là. Oh, je me suis fait cramer. Eh, mon pantalon, il fait du bruit, hein. Mon pantalon, il fait du bruit. Alors, attendez. On va éviter toute forme de violence. Essayez d'appeler des renforts. Voilà. Voilà. On va pas y aller par 32 chemins non plus. Ah, il est là. Merde. Viens voir. Voilà, ça c'est fait. Putain. Oh la salope. Alors? Un camion, miel. Ah? Là je suis cramé, hein. Je suis là cramé. C'est bon. Allez, c'est pour moi. Adios et viva la libertad. Merde. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. J'ai toujours tendance à gâcher une dynamite, mais c'est pas grave. Allez, c'est pour nous. On a capturé deux bases aujourd'hui. Quel bonheur. Quel bonheur. Eh bien les amis, c'est là-dessus que nous allons nous quitter aujourd'hui. Récupérons quand même récupérons quand même ce qui nous appartient dorénavant. Voilà un petit fusil d'assaut. Des médicaments. Des munitions. Formidable. Personne n'a rien à me dire aujourd'hui sur ce camp. C'est formidable. Là ça va encore partir en couille. Là ça va encore partir en couille. Même pas. Ah si. Voilà. Non mais regardez-moi ça. Et là il cherche. Où est le problème? Personne n'oubliera jamais Carlos Montoya. Qui est là? Oh mon dieu. Merde, pardon. Oh, il y a du poison. Ça va, frérot? Tout va bien. Tu peux repartir. Bon allez les amis. N'oubliez pas le pouce bleu et à très vite pour le prochain épisode où on va chercher la lanceuse de balles de baseball. Voilà, ça va bien baseballer, hein. Ça va bien baseballer. Bref les amis, allez, à très vite, c'était Mkolo, je vous fais plein de bisous et moi je vais monter en haut de cette colline parce qu'attendez, bougez pas, il y a une caisse. Et moi vous savez que les caisses, ça me suffit à rallonger les vidéos. Alors attendez, bougez pas. Voilà. Et ça c'est cool. Allez, hein, c'est la guerre en bas. C'est la guerre en bas. Voilà, ça c'est pour moi. Très bien. Pantalon, des meutes. Et là, attendez, parce qu'en fait, mon AK-47, elle fait pas de dégâts. Vous l'avez remarqué par vous-même. Alors attendez. Moi j'ai quoi? Emplacement de bouche. Non. Balle, nanani. Ah. Eh oui, bah c'est ça qu'il me faut. Eh bien voilà, ça sera bien mieux. Et emplacement de bouche.
Il n'y a rien qui augmente les dégâts, malheureusement. Très bien. Allez, les amis, on s'arrête là. C'était Mkolo, plein de bisous et à demain. Ciao tout le monde!